Donc voilà. Ça, c'était pour la deuxième game. Et maintenant, on va passer à la dernière game. Parce qu'il nous reste un peu de temps, un peu de temps, mais pas trop non plus. Pour parler de la game d'aujourd'hui, donc, entre Fnatic et BLG. Et alors, du coup, cette game-là, ça va être une game un peu différente des autres. Parce que là où je pensais que la draft européenne, slash occidentale, fonctionnait plutôt bien. Sur celle-là, on est vraiment clairement sur du... on va dire... comment dire, sur du trade exotique et surtout du trade demandant mécaniquement. C'est-à-dire que par exemple, je pense qu'il y a énormément de sourcils qui se sont froncés sur la Akali du Manoïde. Je pense que c'est pas une si bonne idée que ça. Dans le sens où, dans une méta où t'as potentiellement 2,5/3 carry, dont un Moiseur en top lane, potentiellement, c'est un peu compliqué de sortir Akali parce que t'as trop de cibles à tuer, on va dire. Et tu peux pas utiliser ton slot entre guillemets de carry principal qui est la mid lane sur un assassin parce que derrière tu manques énormément de dégâts pour taper la front line. Et derrière quand t'as Jax, Sejuani et même Rakan techniquement, même si c'est un peu chiant, et Orianna qui, bon, on connaît les mages, on sait que les mages dans la saison 13, bah, c'est un peu des semi-tanks quoi, et surtout après le patch de durabilité on va dire, c'est compliqué pour un seul carry AD, surtout Kai'Sa, de faire tous les dégâts de son équipe. C'est un peu compliqué. Mais il y a un truc qui va complètement dans le faveur de Fnatic et qui transforme cette draft entre guillemets go-in slash catch en une draft qui peut aussi complètement gérer le front-to-back, c'est ce foutu hiverne. Ce foutu hiverne last pick que je trouve vraiment incroyable du côté de Razor, qui je pense devrait être sélectionné plus souvent d'ailleurs parce qu'il a failli faire gagner la draft à quasiment lui tout seul. Ça et le fait que les BLG se soient décidés à pick genre littéralement 4 champions avec des dashs après un R1 Poppy, genre. C'est à dire que tu te dis, il y a R1 Poppy, alors certes c'est un flex quand même, mais tu te dis ok, on va pick tous les champions qu'on ait dash. C'est vraiment tous les champions possibles à prendre des dashs. Même Aphelios en bot lane, c'était un meilleur pick à choisir que Tristana contre Poppy. C'est à dire que vraiment c'est très très compliqué quand même de faire une pire draft pour jouer contre Poppy, parce que le Rakan il peut pas jouer, basiquement il peut juste pas jouer, ça devient un sbire canon, et même pas un sbire canon, là pour le coup c'est vraiment un sbire caster. Jax, bon, il est un... ça le fait un peu chier, on va pas se le cacher, même si je pense que Poppy aurait pu, enfin Skyrim aurait pu lui mettre encore plus cher dans la lane, et cette Sejuani est un peu bloquée pareil, elle peut que mettre son ulti et essayer de se barrer de la zone avant que le Sun se barre, mais c'est un peu compliqué pour elle de jouer quoi. Donc ouais, je pense que la Poppy est peut-être le meilleur pick avec le hiverne de la draft. Ça, c'est une force, ça, c'est une force, ça, c'est une force. Alistar est plutôt pas dégueu, notamment contre Jax, d'ailleurs. Ce que je trouve d'ailleurs un peu bizarre, que BLG ait décidé de quand même pick Jax dans Alistar. Parce que c'est quand même vachement chiant pour Jax de jouer quand il y a Alistar dans la game. Et du coup, le problème, c'est surtout cette Akali. Mais après, la Akali, on va voir dans la game, même si je pense que la draft de Fnatic, c'est complexe s'il n'y a pas le hiverne. Le hiverne, déjà, rend le front-to-back possible. Surtout les escamouches rapides, parce que tu cherches à tuer un mec le plus rapidement possible en tant que Fnatic. Parce que derrière, ça empêche les BLG de vraiment continuer le teamfight. Et derrière, tu peux récupérer les objectifs, ce genre de trucs, et gagner la game potentiellement. Et pour ça, t'as potentiellement les meilleurs champions pour ça. Parce que Kai'Sa, très gros burst en tant qu'ADC, presque un assassin quasiment. Et Akali, bah, c'en est un pour le coup, un vrai assassin. Le fait qu'on ait deux auto-attaqueurs ennemis, on va dire, parce que Orianna n'est pas plus vraiment 100% d'auto-attaqueur, mais elle fait quand même des dégâts intéressants en auto-attaque, ça fait que Akali a... Enfin, le Shroud d'Akali a quand même une certaine valeur. Surtout contre Sejuani aussi, d'ailleurs, pareil. Donc, c'est pas dégueu. Même si, encore une fois, le problème, c'est que tu joues Orianna, t'appuies sur Q-Spell, tu mets la boule au milieu de la... Justement, de la smoke bomb, et t'appuies sur R. Et là, il n'y a pas grand-chose qui peut sauver une Akali. Mais bon, en dehors de ça, je pense que c'est une draft qui est plutôt OK pour Fnatic si on avait remplacé la Akali par littéralement n'importe quoi. C'est-à-dire que, enfin, je pense que dans ce spot-là, vu l'ulti Jax, l'ulti Sejuani, l'ulti Rakan et même la Shockwave, je pense que Sylas aurait non-ironiquement été meilleur. Mais même si on prend pas en compte le Sylas, bon, encore une fois, Xerath peut fonctionner complètement en termes de pick, notamment justement pour follow-up sur des engages comme ça. Et parce que du coup tu peux utiliser le shield d'hiverne pour on va dire empêcher le poke d'avoir vraiment une si grosse importance, c'est à dire tu gagnes la bataille de la range avec Xerath largement, tu forces l'équipe adverse à engage et derrière t'as Poppy qui est là pour clap les adversaires avec Alistar. Donc t'as une composition qui, grâce à la Poppy et au Alistar et au hiverne, a énormément de capacités défensives. Donc si en plus tu réussis à avoir l'avantage de la range ou à avoir un meilleur DPS, bah c'est gagné basiquement. Et c'est pour ça que je pense que la Akali, même si elle peut fonctionner dans la draft, et on va voir les moments où elle aurait pu fonctionner dans la draft,
ça reste quand même un problème dans la draft tactique. D'autant plus que j'ai même pas encore pris en compte le fait que ce soit un tentative de skill gap contre des équipes asiatiques. Et je suis désolé, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que même si G2 a réussi à gagner en BO1 contre comment il appelle c'était Damwon. Quand ils ont réussi à gagner, même s'ils ont réussi à gagner en BO contre Damwon, je suis désolé. Même dans la game, c'était même pas censé fonctionner le snowball à base de Draven, tout ça. Donc, je pense que tenter ce genre de game en mode full snowball avec cet Akali pose énormément de problèmes. Mais bref, on va voir dans la game de toute façon. Parce que je pense que c'est pas parce que il y avait, on va dire, des grosses demandes de humanoïdes qu'il n'aurait pas pu mieux, il n'aurait pas pu, on va dire, mieux s'en sortir. Rien. Mais c'est pas forcément que sa faute. Donc, pourquoi est-ce que cette game a marché? Déjà, on a Razor qui, c'est dommage parce que s'il était légèrement plus rapide avec son clear divin, parce que je sais que c'est possible pour le coup, il aurait potentiellement pu catch Bean dans une situation de wave assez dégueulasse pour le coup. Et ça l'aurait un peu mis en difficulté pour le coup pour le reste de la game. Mais bon, pourquoi pas, ce n'est que partie remise, on va dire. Parce que on a un très bon play, on va dire, jungle support. Parce que là, on a Trimby qui tente un go-in contre Elk. Là, on se dit, bon, ah, Trimby, petit farceur, tu joues quasiment que des enchanteurs. T'es réputé pour jouer quasiment que des enchanteurs. Derrière, tu nous sors une game d'Alistar où tu fais des go-in sans aucun sens. Ah, c'est trop rigolo, MDR. Sauf qu'en fait, ce qu'il n'avait pas dit, c'est que c'est du foreshadowing parce qu'il sait que son jungler est là et que du coup, il veut juste être... il veut juste, on va dire, utiliser les cooldowns du jump de la Tristana. Pourquoi? Parce que derrière, on a juste à attendre et derrière... Trimby qui nous sort un combo d'Alistar que Kaelin rêverait d'utiliser, c'est le dashing Q-spell, bam! Et derrière, le follow-up d'Hiverne fait que c'est impossible pour Gala, enfin Elk, de s'en sortir. First Blood, récupéré sur la Kai'Sa en plus, donc c'est parfait. Très très bon match-up. Derrière, en plus, on a Razor qui vient, qui passe vers la mid lane. Il en a rien à foutre. C'est-à-dire que vraiment, il passe par la jungle en face, qui est, bah du coup, elle est pas wardée, du coup, parce que LOL, c'est la jungle en face, quoi. Et derrière... Il arrive sur Elk qui bon, alors enfin Elk sur Yagao qui bon pour le coup lui est un peu en mode full griff pour le coup parce qu'il pourrait juste décider de back, là il a un cheater parfait, mais il décide quand même d'arras la Kali'Sa sous tour. Mais du coup, il se fait prendre à son propre jeu puisque Razor qui arrive, touche le Q-spell en blind, et derrière, blind, dans le sens, Yagao le voit pas dans le sens il voit pas Yagao, mais vous avez compris. Derrière Humanoid qui arrive et qui en plus utilise le Shroud, le buisson, derrière le flash-in de Yagao, flash out Humanoid dans le Shroud, plus son shield. En plus, le shield qui est pas pop, du coup, il le récupère et il réussit à le tuer. C'est parfait, c'est génial, magnifique, outplay mécanique de la part de Fnatic. Et derrière, 2-0, pas dégueu. Derrière, on a quoi d'autre? Je crois qu'on a un Drake et bon, un Tower Dive de Skyline, il ne peut pas faire grand-chose, le pauvre. Ça arrive. Et là, on a un Herald qui est, encore une fois, fight très très bien géré des Fnatic pour le coup. Où on a du coup Humanoid qui est là pour temporiser un peu mais qui go in en même temps que Daisy, parce que pour le coup ça c'est un truc qui est intéressant, c'est que Fnatic utilise le fait que les équipes asiatiques ne jouent pas Yvern pour utiliser le problème de match-up que peuvent avoir les équipes asiatiques face à Yvern, parce que là par exemple Marguerite, bah dans 90% du temps tu vois un familier comme ça, genre la Vierge de Yorick ou le T-Burst, tout ça, tu te dis bah je t'en bats les couilles quoi, c'est un vieux familier dégueulasse, on s'en fiche. Mais Humanoid lui il sait parce qu'il a joué avec Yvern, donc il engage pendant qu'il y a Marguerite, et qu'est-ce qui se passe? Bah, bam! Gros bump! Et derrière, bon, certes, il y a des bumps aussi derrière, mais ça permet du coup à Trimby d'arriver derrière. Et derrière, bah, ils font littéralement un 3v4. C'est-à-dire que, alors certes, il y a un trade kill, mais derrière, ils tuent Yagao en plus de tuer Xun. Et ils étaient pas loin de tuer Bin derrière. En plus, derrière, On, il a failli crever aussi, parce que si le stun d'Oscarinine y passe, il y passe aussi. Parce qu'il y a un ulti qui est parti dans le vent du coup d'Oscarinine à cause du flash, du dash out de On, mais sinon ça marchait. Derrière, il y a Noah qui est là pour on va dire, entre guillemets, match le side de Elk, donc on perd pas tellement de sbires que ça en plus, même si on perd pas mal de plaques, du coup, parce que c'est Tristana, forcément. Ouais, c'est pas forcément possible de jouer, quoi, on va dire. Et du coup, bah, on garde en plus l'Herald, en plus, donc c'est parfait. Non, on l'a pas utilisé. Enfin, si, on va le faire juste après, du coup, c'est ça. Ils font l'Herald juste après. En attendant, par contre, du coup, en plus de ça, ça va sur la top lane, et Bean, qui peut pas forcément jouer derrière, parce qu'il est contre Poppy et contre Daisy, qui lui mettent des gros patates, En plus de ça, on a Humanoid qui vient pour le coup prendre la pression. Lui, il absorbe la pression du côté de, on absorbe la pression du côté d'Humanoid parce que du coup, là, on voit qu'il y a une tentative de Tower Dive derrière. Mais lui, il arrive pour juste empêcher, voilà, mettre l'eau Elk et derrière se barrer. Cela utilise son ulti à travers le mur. Et de l'autre côté, on arrive à tuer Bean. Donc là, c'est parfait. Là, en termes de mécanique, en termes de prise de décision, c'est parfait. C'est-à-dire, j'ai jamais vu Fnatic aussi bien jouer de toute l'année. C'est incroyable. Donc voilà, là, on est en mode let's go. Bon, alors, il y a un peu moins d'un camion d'avance seulement, mais. Ça joue très très bien pour le coup. Et c'est surtout dû aux plaques
récupérée par Tristana et par Orianna, plus au fait que le farm est légèrement à l'avantage de BLG, mais c'est vraiment très léger. Vous voyez, on est à moins de 6 CS d'avance sur tout le monde, à part la botlane. Donc voilà. Par contre, le problème qu'on a, c'est qu'on a Trimmy qui, là, pour le coup, fait un truc un peu bizarre. C'est-à-dire que là, il décide d'engage tout seul. Alors, je suppose qu'il a pas... Non, parce qu'en plus, il a vu Tristana. Il se dit Tristana se barre, c'est ça? Et en plus, il voit Xul, là. Du coup, il se dit quoi? On engage là maintenant? Ah, parce qu'il attendait peut-être à ce que Noah arrive par via ulti et que derrière Akali vienne, c'est ça? Mais derrière, il se retourne sur sa gueule. Ah oui, il y a Ivern qui arrive derrière, mais c'est compliqué. Et derrière, ah oui, c'est... Ouais, là ça marche pas. Là ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Et donc c'est compliqué, tu peux pas forcément jouer. Le Skynin qui va pas TP du coup, parce qu'il peut pas TP. Et on est sur un contre les Drakes. Ça c'est chiant. Parce qu'en plus, si je me trompe pas, vu que dans le dernier play qu'on avait fait, Trimmy se retrouve avec 2 kills. Le problème c'est qu'en mourant comme ça, il donne un shutdown à Elk. Ce qui est très très chiant. Parce que déjà, ces 2 kills là auraient pu être sur Akali. Ce qui est un peu chiant du coup, parce que du coup, t'aurais bien aimé que ces kills là aillent sur Akali. Parce que ça, t'as envie que Akali fonctionne. Parce que pour le coup. C'était le 3v2 là ici, enfin le 3v4. Le problème qu'on a c'est que là pareil, un premier KS et derrière le deuxième kill il est parti sur Trimilla alors qu'il aurait pu partir sur Razor par exemple, même si là effectivement Humanoid n'aurait pas pu l'avoir, mais au moins il aurait pu avoir un kill de plus. Là c'est pas trop le cas. Donc on a le catch de Trimilla qui donne un shutdown parce qu'il a pris les 2 kills du coup à la Tristana, ce qui fait très très mal parce que du coup la Tristana elle va monter en puissance assez rapidement, du coup elle va être accélérée. Et en plus de ça, on a Humanoid qui se fait un peu catcher sur la gueule. Parce que là, il décide de go in là où il y a Elk. Et en fait, du coup, il se dit, attends, il faut que je reste sur la smoke screen parce que sinon, je me fais péter la gueule. Mais du coup, Chun, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'ulti sur Humanoid. Et derrière, il le pousse en dehors de la smoke screen avec son Q-spell. Et Humanoid qui peut pas ulti, il peut pas ulti back parce qu'il a pas encore ulti in. Donc, il est obligé d'ulti in déjà pour pouvoir ulti back. Donc, il peut plus le faire. Je crois qu'il avait toujours son E, mais je suis pas sûr. Mais du coup, par contre, il peut pas flash parce que sinon il est suivi. Parce qu'il y a des dons encore leur flash. Du coup, il peut pas forcément jouer et il meurt. Ça, c'est très chiant parce que du coup, ça fait un deuxième kill sur Tristana. Plus la tour en solo gold. Voilà, ouais, exactement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et on retourne à un Kaggle dans sur PLG. Est-ce que maintenant c'est perdant pour Tati? Pas vraiment parce qu'il y a toujours Ivern. Il y a toujours Ivern et c'est toujours intéressant d'avoir un Ivern. Et vous allez voir dans le fight suivant que c'est intéressant quand même. Et que c'était pas forcément parce que Fnatic était derrière au niveau des golds ou que la Kali avait pas snowball que c'était perdu pour eux. Que, honnêtement, ça se joue à rien sur le prochain patch qui arrive. Enfin, le prochain fight qui arrive. Alors, pas celui-là du coup. Parce que là, du coup, on a un bon catch sur Ahn parce que Ahn était un peu perdu sur la map. Humanoid qui arrive pour temporiser un peu Elk et en même temps, derrière, on peut repartir. Oskanin qui revient. On réussit à retuer Xun presque. Ah! Si on tue Xun avec le flash-in de Noah. Derrière, on a Bin qui est isolé du reste de son équipe. Donc, même si on tue. Même s'ils ont tué à Humanoid derrière, Yoskanin, il peut follow-up sur Yagao. Et Bin, il est tout seul derrière. Donc, on peut faire le rally. Donc, ça marche bien. Yoskanin qui passe à deux doigts de crever. Donc, on change, j'en parle pas trop particulièrement. Et là, on a le fight du Drake. Le fight du Drake, c'est le fight qui fait trop chier. Parce que c'est un fight qui aurait pu 100% faire gagner la game à Fnatic. Mais ça s'est joué à peu près rien, basiquement. Donc regardez Noah dans la game à peu près. On a Noah et regardez Humanoid, ok. Donc, Humanoid il TP déjà tout à gauche. Noah lui il met des Q-spell, ok. Il des Zen. Très bien. On réussit à récupérer le Drake parce qu'on arrive à balancer la Sylvanie en dehors du fight. En plus donc au moment où le Drake est sélectionné derrière, sécurisé. Trimmy qui décide d'engage derrière. Ce qui est pas une bonne idée pas une mauvaise idée parce qu'ils sont en 5v4 à ce moment-là, même 6v4 avec Daisy. Et derrière on a le go-in. Est-ce que je peux voir les clics de Noah, s'il vous plaît? Parce qu'on a, on a le flash-in, ok, go-in, ok, ça marche, c'est bien, c'est cool. On a on qui se barre, et derrière... Bah, attends. Bah, vous l'avez vu? Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Noah? Là, ok, kill, ouais, flash-a, ok. Bah, c'est quoi ce clic droit? Pourquoi tu cliques vers la base, mon ref? Il faut aller vers l'avant, mon ref, là, le teamfight, il est gagné, là. Là, on a un teamfight à gagner, là. Pourquoi tu te barres? Là, du coup, il est très loin. Du coup, il peut pas follow-up sur l'engage humanoïde. Et il peut pas DPS derrière, potentiellement sur Elk, sur le truc. Il est pas au bon positionnement. Humanoïde derrière, bon, il utilise sa smoke screen. Il y a la rédemption derrière, donc il temporise vraiment pas mal. On, il meurt pas à genre 2 cm, c'est trop unlucky pour le coup. Mais derrière, Humanoïde qui se retourne très bien sur Elk, qui le touche. Il y a le Z qui part de Noah. Le dash-in de Elk est cancel par l'atomisation de Trimby. Ah là, Noah, mon ref, il faut appuyer sur R là. Là, mon ref, je suis désolé, il faut appuyer sur R. Parce que là, Elk, il peut crever. Et là, regardez ce qui se passe. Elk, il flash out.
Là, Noah il ulti genre à peu près genre... Ouais là à peu près on va dire. Genre à peu près ici à peu près. Il ulti, il auto-attaque on ou on auto-attaque elk into Q spell. Il fait double kill sur la game, sur l'action là. Et même si tu te dis ok c'est peut-être de l'overextend, ok bah ulti là alors. Et tu tapes, tu auto-attaque Q spell, sachant que l'auto-attaque touche tout le... touche à 100% elk du coup parce qu'il y a, enfin le Q spell touche elk uniquement donc il fait plus de dégâts, quoique tu devrais peut-être ulti plus là parce que sinon il y a les les beercasters qui peuvent prendre les projectiles, mais bref tu erres à côté de humanoid, tu tues elk et là ils ont plus de carry à part Yagao qui a déjà utilisé sa shockwave, donc ta vie elle est incroyable mon ref, il faut appuyer sur R. Alors après je dis ça mais en même temps là on vient de le voir, mais humanoid il a loupé son Q spell et là, il loupe son Q-spell à cause du flash, parce qu'il a mis un peu de temps à l'utiliser, vous avez vu. Alors, je sais pas si c'est un problème du cooldown, mais là, il arrive, tac, 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 ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais. Il a un peu... En fait, sachant qu'il presse le Q-spell un peu avant, donc normalement, on aurait pu se dire jusque-là, mais normalement, il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Donc, ouais. Donc, ça fait chier, parce que du coup, les fanatiques perdent... Enfin, deux possibilités de kill derrière, plus Xun en plus qui a failli crever. Donc, une trimée qui retente un engage, ce qui je pense est selon moi pas trop possible, surtout qu'en plus derrière il touche que Xun et il touche pas Elk, ce qui fait que derrière Elk peut continuer à DPS et Oscarine derrière qui se fait tuer derrière, mais là c'était un peu normal, il était un peu dans une situation dégueulasse. Et du coup, ben, on est dans une situation où on perd la mid lane et du coup on peut perdre aussi le Nashor du côté de Fnatic parce qu'on a plus de joueurs en face. Quoique, non, c'est plus tard. Nashor, c'est plus tard, ok. Donc, ouais, c'est compliqué. Donc, si je résume bien, on a le clic bizarre de Noah qui arrive à ce moment-là, voilà, bizarre. Et le fait qu'il tape la ward alors que le fight est encore en train de se jouer. Là, il clique vers l'arrière alors qu'on. Enfin, regardez à peu près, genre, la distance à laquelle il est du premier ennemi. Enfin, il faut avancer, mon ref, il faut avancer. Ça marche pas, malheureusement. Il veut pas ulti à ce moment-là, alors que c'est possible d'ulti. Humanoid qui loupe son Q-spell parce qu'il a mis un peu trop tard et du coup il peut pas terminer Elk, ce qui fait que on perd un kill, même deux de normalement du coup. Et du coup, ça il aurait engagé le Trimby, ça fait le teamfight perdu. Alors que honnêtement, c'est vraiment très très mal payé pour les Fnatic parce que s'il gagne ce fight là, c'est potentiellement Nashor derrière et c'est potentiellement la game derrière. On a un Herald qui est utilisé pour détruire la T1, c'est pas dégueu, derrière, et on arrive au dernier fight, si je me trompe pas, le fight auquel je veux parler, c'est au Drake justement. Alors déjà, on a Fnatic qui obtient pas la position du Drake parce que Humanoid est pas là encore, et que du coup ils veulent pas forcément jouer, ouais, ils veulent pas forcément passer, ils veulent faire une transition vers la mid lane parce qu'ils ont pas la prio, parce qu'il y avait personne en mid lane, derrière du coup ils sont bloqués là alors qu'ils auraient pu passer par le blue buff, par ici, et du coup ils... Là, il y a elle qui peut tranquillement sauter le Nashor. Même si on a des outils à disposition de Fnatic pour pouvoir s'avancer dans ce genre de choc, notamment Daisy justement, c'est trop tard pour tenter un steal. Et derrière, c'est Trimmy qui décide quand même d'engage alors que son millénaire n'est pas là. Et ça, c'est chiant du coup parce que là, il fait son engage, mais il n'y a pas encore grand monde pour faire des trucs. Et du coup, il se passe pas grand chose. On a un ulti quand même de Skyline qui est très très bon pour pouvoir envoyer deux mecs en moins. Mais là, Trimmy, il a pris très très cher. Humanoid est là, ça y est. Mais du coup, on a Yagao qui peut flash out. On a elle qui peut dash out aussi. Et il flash out en plus derrière. Et du coup, malgré la fatigue, on peut pas forcément le toucher. On a un ulti derrière qui part sur lui. Parce que justement, tous les CC qu'aurait pu mettre Trimby, on les a plus là maintenant. Et Rator qui a pas encore pu venir. Oscarini, il est en train d'empêcher les messieurs de venir. Mais du coup, il y a quand même le flash in the bin qui arrive. Et là, c'est finito, Pepo. C'est la fin de la game. Parce que derrière, c'est Nashor. C'est destruction de T2, de T3, et on a, voilà, on est quasiment sur du 8K gold d'avance. Et on peut pas trop jouer du coup derrière du clan Fnatic. Parce que vous voyez que là, la différence de dégâts au niveau des carry, surtout sur le fait que Noah est parti sur Runan au lieu de partir sur Dominique, ce qui fait qu'il peut pas taper Sejuani et Jax aussi fort qu'il peut taper, que Tristana peut taper Poppy, et Daisy, et Ivern, et sur le truc. Ce qui fait que c'est plus compliqué pour eux de jouer. Ils perdent encore un Drake. Et derrière, c'est le dernier teamfight de la game, si je me trompe pas. On a Trimby qui crève. On a Humanoid qui Zonia, mais c'est pas possible. Il peut pas forcément jouer grand-chose. On a Bean qui tanque l'intégralité de la planète, du coup, parce qu'on n'a pas le Dominique. Et il survit à 2 HP. Et derrière, Humanoid qui est genre temporisé par l'intégralité de la planète.
pendant ce temps. Et bah, à partir du moment où tu perds un gars, enfin tu perds un gars littéralement en 1v4, hein, c'est genre vraiment là il prend le kill quasiment en 1v4, bon, peut-être pas non plus parce qu'ils ont le temps d'arriver, mais voilà. Parce que Jax est giga, giga fort, mais c'est surtout parce que malgré du coup les trois items ennemis de la Kai'Sa, vu que c'est pas Dominique le troisième item, on peut pas taper un Jax qui a Zhonya plus Ange Gardien. Ouais, c'est dommage. Parce qu'en vrai, on n'était pas si loin que ça. Si Manoïd avait un peu plus de kills, peut-être que ça aurait pu faire un truc. Mais en vrai, s'il avait un ou deux kills de plus, là, il aurait une baguette trop grosse de plus. C'est surtout que, avec les deux Drake qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas eu ce troisième Drake qui leur aurait permis d'avoir derrière potentiellement Nashor avec le fight gagné. Voilà, c'est un gros snowball derrière. Hein, mais forcément, c'est le but, c'est le jeu quand tu utilises ce genre de composition. C'est que quand tu vas trop vite. Notamment comme dans justement le Drake juste avant, quand tu vas trop vite avec cette tentative d'engage de la part de est-ce que c'est après là ou pas, non justement c'est après, c'est avant. Tac. Lorsque tu tentes une engage de la part de Trimby qui est un peu trop tôt, alors que tu peux utiliser tu peux laisser en fait le Ivern mettre ses shields, en fait c'est à dire que là si tu joues en mode full front to back au lieu de tenter une engage de fou furieux et tu laisses le Ivern te foutre des shields, tu peux les out DPS, on va dire, même si t'as un déficit de dégâts. Comme t'as un Ivern qui balance 45 000 shields, vu que tu gardes tes cooldowns parce que tu cherches pas à engage, tu cherches juste à front to back, juste à avancer vers les ennemis et les taper, ça veut dire que tu peux utiliser ces cooldowns pour empêcher l'engage adverse, la contre-engage adverse, notamment avec le Jax et avec la Sejuani, de venir et de péter tes carry. Mais le problème c'est que comme ils ont voulu briller les étapes, on laisse pas le temps à Ivern de faire jouer ses shields, et du coup, parce que quand je dis faire jouer ses shields, c'est tu utilises le shield de Ivern pour taper, on va dire, comment dire, tu utilises le shield d'Ivern pour, comment on appelle ça, fuck, pour empêcher un trade, c'est-à-dire tu lui mets sur un trade, même si le shield il pop, si le trade, s'il y a genre 3 trades qui font exactement le même nombre de dégâts, mais t'as le temps de récupérer ton shield entre chaque trade, par rapport à un seul gros trade qui fait les dégâts des trois premiers, sur les 3 trades, tu vas perdre vachement moins de dégâts quand t'es la team qui a Ivern, parce que justement, il y a des dégâts qui vont être absorbés par le shield à chaque fois. Alors que si tu tentes un team fight comme ça, un seul, en tentant d'assassiner l'adversaire, eh ben, t'as qu'un seul shield. Et du coup, si tu prends 45 000 dégâts, en tout cas, un seul shield, je dis un seul, mais dans la situation adverse, dans la situation actuelle, t'en as plus qu'un, hein, mais c'est surtout que t'en as pas autant que ce que tu pourrais avoir si tu l'as joué en front to back. Et du coup, tu perds vachement plus d'HP et t'es plus favori dans la game, on va dire. Et surtout que là, en utilisant tous les cooldowns, notamment le flash d'Alistar, son full combo, l'ulti de Poppy, en utilisant son Z, en utilisant sa charge et tout derrière. Et pareil pour Razor, qui en plus n'était pas forcément dans la meilleure des positions pour pouvoir go in dans ce genre de tunnel vision comme ça sur un carry. Surtout un carry comme Elk qui a genre 45 000 dash, parce qu'à la limite, je pense que ça aurait été mieux si on faisait un go-in sur Scoot. Plutôt que si on faisait un go-in sur Elk, parce que lui au moins il a juste un flash, quoi. Le problème c'est que là Elk il a un heal, il a un flash, il a un ulti, il a un dash out, c'est genre impossible de l'avoir tout seul comme ça si on n'a pas de CC. Et le problème c'est que quand tu go-in avec juste Akali et Kai'Sa, t'en as pas des CC. Et du coup tu peux pas forcément l'empêcher de se barrer, même avec une fatigue. Et donc tu peux pas aller chercher aussi deep que tu le voudrais, quoi. Donc voilà, du coup la question c'est, qu'est-ce que tu peux, genre on va dire, qu'est-ce qu'on peut, on va dire, garder de cet affrontement, on va dire. Ce que je peux dire c'est que, clairement, Fnatic avait les capacités, et je pense que même les équipes occidentales maintenant ont les capacités pour tenir les équipes asiatiques en early game. La question que je pose maintenant c'est, quand est-ce qu'on va essayer de jouer la bataille du scaling, en vrai ? Parce que, pour le coup... Je me suis déjà prononcé en disant que je pense que le scaling est la meilleure manière de battre cette équipe asiatique et que le but c'est juste de réussir à taper leur lit, à tenir leur lit sans se faire péter la gueule. Et vu que les équipes asiatiques se mettent déjà à jouer des compos scaling, pourquoi est-ce que les Européens se mettent, enfin même les Américains aussi, se mettent pas aussi à jouer scaling plutôt que d'essayer de les cheese en sortant des trucs comme des Akali, ce genre de trucs. Je pense que le cheese, dans une certaine mesure, est de toute façon nécessaire contre des équipes qui sont supérieures mécaniquement et en termes de macro game aussi, mais je pense que tu peux cheese, mais en même temps te garder une suffisante marge d'erreur pour quand même avoir une capacité, on va dire, une capacité technique, mécanique et en termes de justement de possibilité de gameplay qui soit un peu plus safe à côté, quoi. Pas forcément tout reposer sur ce cheese là, parce que du coup, forcément, tu fais une erreur dans la game et derrière ça snowball et tu peux rien faire, quoi. Et le problème, c'est que comme on l'a vu,
Là, je parle uniquement des fights qui sont mauvais, ou en tout cas, précisément des fights qui ont fait perdre la game. Et on va se dire, ouais, mais du coup, c'est-à-dire qu'on perd un fight et on a perdu la game. Non, ça veut surtout dire que on se met dans des positions très dégueulasses. Et qu'à l'heure actuelle, à part G2, peut se permettre de choke 3 fois dans une game et de quand même gagner, y a pas forcément, on n'a pas forcément des compositions d'équipe qui peuvent se permettre de faire ça. Et ce, malgré le fait que pour le coup, Fnatic, pour le coup, selon moi, montre l'un de ses meilleurs niveaux de jeu de l'année, voire son meilleur niveau de jeu de l'année pour le coup. C'est vraiment incroyable à quel point leur game contre BLG et leur game contre LNG ont été assez close, parce que j'en parle pas de la game contre LNG, mais elle était aussi extrêmement close jusqu'à certains calls. Ah non, pas du tout, j'ai rien dit, celle de LNG elle est dégueulasse. Non, c'est surtout, surtout qu'en gros ils avaient une bonne draft et ils avaient une bonne on va dire, manière de jouer la game. C'est juste qu'ils se sont précipités sur un call bizarre en top lane qui a fait que derrière ça a un peu snowball. Plus des erreurs un peu bêtes de positionnement dans la river, ce genre de trucs. Mais ouais. Non, le problème c'est surtout que cette game là contre BLG, la game de, par exemple, de Cloud9, on en a parlé, contre LNG, et la game de BDS contre JDG, par exemple, toutes ces games là sont des games gagnables. C'est juste que l'équipe occidentale à chaque fois a fait une erreur trop importante à ce niveau là de jeu, qui prouve une certaine inconstance qui est un peu complexe, parce que je sais pas trop d'où ça vient. Alors, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu au niveau de Twitter, parce que justement G2 a fait une interview, Romain Bigard, je sais plus comment il s'appelle, a fait une interview en disant que ils jouaient leur scrim jusqu'au bout, peu importe les circonstances, parce que c'est pour traîner les gens à justement avoir le même niveau d'implication dans les games tout le temps. Et je me dis, est-ce que le fait que peut-être que les équipes européennes scrim et genre arrête les scrims une fois qu'ils ont une fois qu'il y a genre un avantage qui est trop élevé, et on fait ok, on arrête, on passe au scrim suivant, ça fait pas que justement à partir du moment où ils ont une avance de goal et là on arrive à la 20ème, ce genre de truc de minute, et du coup on joue pas les games pour les conclure, on n'arrive pas à conclure les games aussi bien qu'on le devrait, et que pareil d'un autre côté, quand on passe derrière dans la game, on n'a pas l'expérience nécessaire, pas l'expérience, quand je dis expérience c'est pas genre l'expérience en mode on a déjà vécu ça, mais c'est l'expérience, on sait quoi faire pour réussir à quand même refaire notre avance, enfin, et récupérer dans la game, on va dire. Et vu qu'on a vu ça de Cloud9, de BDS, de Fnatic, alors Mad, bon lol, et NRGTL lol, mais en gros tout ça pour dire que peut-être que les équipes, ces équipes là sont des équipes qui peuvent légitimement, en termes de capacité individuelle, on va dire empêcher non, pas empêcher, poser des problèmes aux équipes asiatiques, et notamment du coup les équipes qui sont pas les sites 1 quoi, mais peut-être que leur éthique de travail, peut-être, c'est une conjecture, hein, je suis pas en train de dire que une conjecture, c'est vraiment, je suis pas en train de dire que c'est genre c'est exactement ça qui est le problème, mais peut-être que ça pourrait venir de là, le fait que G2 dise spécifiquement nous on joue les scrims jusqu'au bout. Ça sous-entendrait qu'il y a des équipes qui ne le jouent pas jusqu'au bout. Et peut-être que c'est ça qui peut découler du fait qu'on a du mal à terminer les games en tant qu'Européens contre des équipes asiatiques. Bref. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Je pense que je vais peut-être diviser cette vidéo en 3. Parce que c'est quand même une vidéo assez grosse si je la fais en full. Genre 2 heures, bon, c'est assez complexe à regarder. Mais je vais quand même les upload assez rapidement et en séquence. Mais c'est juste pour montrer un peu pour avoir des formes un peu plus rapides. Bref, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, ça aide pour le référencement. Si vous avez un avis à donner sur la vidéo ou sur les games, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si vous voulez pas manquer les prochains épisodes de Draft Gap, surtout quand il va y en avoir pendant les Worlds, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les cloches pour avoir les notifications. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde!